commencer un très grand jeu. Je vais donner tout de suite, je vais donner juste deux, trois indications et je vais donner la parole à Emmanuel Boyon. Je vais dire deux mots à Mme Emmanuel Boyon, qui est υπεύθυνη des γαλλοφωνίες. Je voudrais auparavant saluer beaucoup d'amis qui sont dans la salle parmi les professeurs. L'école Saint-Paul, l'école Eugène Delacroix, le lycée, l'école franco-hellénique, et puis tous nos amis de Jeanne d'Arc, de Molaïtis, de tout un tas d'écoles que j'ai vues et que je connais bien. Alors, effectivement, et puis ensuite, les festivités vont commencer, bien sûr. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ici. Comme l'a dit Odile, vous êtes les vainqueurs, vous avez gagné le concours de la francophonie. Alors, bravo. Vous savez, le jury a eu de grandes difficultés à choisir les meilleures œuvres parmi tout ce qu'on a reçu de toute la Grèce. Et ce sont vos productions qui ont été choisies, donc vous êtes vraiment les meilleurs, les plus ingénieux, les petits Ulysse de la Grèce. Voilà, c'est vous. Alors, on a choisi de vous offrir aujourd'hui comme cadeau un spectacle. Alors, juste avant, on va entendre deux écoles qui vont chanter, vous présenter des petites chansons en français. C'est le lycée français, la section hélénique du lycée français et l'école Saint-Paul d'Athènes. Bon, merci d'être là. Et puis ensuite, le grand spectacle. Ensuite, on invitera vos professeurs sur scène et ensuite, il y aura un goûter. Ils ont réussi à sortir, lui et ses compagnons, accrochés pour s'enfuir au ventre des moutons.
programmé ce concours, le ministère des Affaires étrangères, pensez bien sûr, l'ambassade de France et les ambassades francophones qui nous soutiennent cette année, la Suisse, le Canada, la Belgique, le Liban également, et puis nos partenaires, TV5, l'Organisation internationale de la francophonie et la délégation de la langue française. Merci surtout à vous tous qui avez parlé de la francophonie en Grèce. On vous souhaite une bonne continuation. On vous invite maintenant à boire un verre ensemble. Alors un petit goûter pour les enfants, un petit café pour les profs et parents accompagnateurs dans le hall, dans l'accueil de l'Institut. Merci à tous et à très bientôt.